à tout temps et à tout lieu. Ta pensée sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Jésus. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil est allumé. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil est allumé. Le feu du Saint-Esprit.
Amen.
Jésus, ta gloire est là, Jésus, ta puissance est là, Jésus, ton amour est là, Jésus, ton
il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Bénis le nom de Jésus. Et là, la voix. Tu lui merci. Lorsque tu viens, tu sautes la fatigue, la douleur, mais pas son amour. Il t'a donné la force, la joie, l'amour. Il t'a touché à l'intérieur. Bien aimé la voix. Tu lui merci. Tu lui merci pour ce moment. Constance qui va arriver dans ta vie, sois toujours heureux. Bien aimé, soyons heureux. Le Seigneur aime quand nous sommes heureux. Quels que soient les vents et marées, sois heureux. Même si ça ne va pas, sois heureux. Le Seigneur sait pourquoi il te dit d'être heureux. Parce que ce qu'il a réservé pour toi, c'est plus que être heureux. Mon bien aimé, tu es venu. Dans la présence du Seigneur. Le Seigneur aime nous voir rassemblés. Et lorsque nous sommes rassemblés, il veut que nous soyons dans la vérité. Tout d'abord, c'est la vérité qu'il veut.
Dans le temps, on se rassemble et qu'on vient. Lorsque tu salues ton frère, ça doit être vrai. Quand tu salues ta soeur, ça doit être vrai. C'est en cela que le Seigneur prend plaisir que nous voir réunis. Bien-aimé, on va se tenir debout. Et cette fois-ci, on va bénir le nom du Seigneur. Tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore vu la sainte doctrine, qui ont même entendu parler de la sainte doctrine, mais ils résistent encore. Le Seigneur dit de bénir, d'aimer nos ennemis. Et nous allons bénir le nom du Seigneur pour la vie de toutes ces personnes-là. Parce que lorsqu'ils sont dedans là-bas, là, nous avons encore du boulot à faire. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas la sainte doctrine. Bien-aimés, lève la voix. Au nom de Jésus, Dieu tout-puissant, nous voulons encore élever la voix. La vie de tes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Vie de victoire. Jésus. Ah, bien-aimé, on dirait que ça ne va pas encore. Hier, là, le pouvoir t'a rempli. Donc, normalement, quand tu passes là, c'est la victoire autour de toi. Vie de victoire. Jésus. Ce que tu ne sais pas, ton papa dit, ce que tu vois comme adversité là, lui, il a déjà vécu ça. Donc, toi qui es là, là, c'est plus toi qui vis. C'est le Seigneur qui vit en toi. Donc quand tu marches là, il ne faut même pas craindre. Tu sais, c'est celui qui est en toi là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc lorsque tu marches, sois heureux. Bien-aimé, cri de victoire. Jésus. Cri de victoire. Jésus. Cri de victoire. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand toi-même tu es heureux, alors le Seigneur est heureux. Bien-aimé, votre soir. Moi, je suis content, très content. Je ne pensais même pas à ça. Et notre frère est venu nous saluer aujourd'hui. Il est venu beaucoup de cadeaux pour nous. Vous-même, vous savez de qui il parle. Notre frère est venu. Et c'est fait, il est venu saluer aujourd'hui. Donc, quand Paul, même là, il envoie lettre comme ça à des églises, là, les gens sont empressés même de recevoir la lettre, d'ouvrir la lettre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Notre frère est venu, nous saluons de nous. Donc, bien aimé, on va accueillir notre frère. C'est fait le Dieu, Jérémie. C'est la question. Alléluia. Amen. 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 Les acclamations, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Moi, je suis, même si je suis serviteur, je suis inutile. Quel que soit ce que l'homme pourra faire, devant Dieu, nous sommes des serviteurs unifiés. Alléluia. Amen. Le mérite, la gloire et les honneurs, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Moi, je n'ai fait rien, je n'ai aucun mérite. Je suis
suis comme vous, je suis votre frère, nous sommes tous des pécheurs, nous commettons les mêmes péchés, nous avons les mêmes réalités dans la vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on m'a désigné pour conduire ce moment, pour faire la direction. Donc, nous allons continuer. Moi, j'ai un homme de prière. Voilà, après, pour vous parler là, je ne suis pas trop les dents. Alors, donc, quand il va commencer, vous allez me voir ici, j'ai pas vous allez me voir ici là, dites-vous qu'on va prier. Alléluia. Amen. Donc, on est venu pour prier. Le Seigneur nous a dit, priez sans cesse. La vie de 1 poète, c'est ça, monsieur, j'ai plus de temps. Il dit, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Donc, on doit prier. Si on est venu ici, on a traversé le froid pour venir ici, c'est parce qu'il y a un problème. Ou bien, Amen. Mais si on ne prie pas, comment le problème va partir? Le problème va partir. Donc, alléluia. Amen. Donc, avant de commencer, le Seigneur dit dans sa parole que celui qui détourne son oreille, qui ne veut pas écouter la loi, Amen. Que sa prière même est une abomination. Alléluia. Amen. Donc, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Et nous prions du Seigneur Jésus un menteur. Parce qu'il est venu à cause de nos péchés. C'est pourquoi Romains 3, verset 23 dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et bien aimé, nous étions dans la présence du Seigneur hier. Lorsque nous sommes sortis, en chemin même, nous avons commencé à pécher. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, nous avons continué à pécher. Nous avons dit, bon, le jeûne est fini, comme je ne suis plus en jeûne. Donc, on a revêtu encore nos vieux vêtements. Et on a recommencé encore dans nos vieilles habitudes. Et même en passé, dès le moment, nous avons commencé à poser les actes. Mais dans les pensées déjà, les cœurs ont commencé à se chauffer. Nous avons tous été, parce que lorsque tu finis un long moment comme ça, l'ennemi va toujours venir encore venir te tenter. Il va toujours mettre des personnes devant toi pour pouvoir t'énerver. Il va toujours mettre des personnes devant toi pour t'accuser. Il va toujours mettre des personnes devant toi pour te faire sortir de toi, afin que la grâce que le Seigneur avait prévue pour toi, pour sortir de ce moment, que tu ne puisses pas rentrer dans ce moment. C'est pourquoi tu vas rentrer en toi, mes bien-aimés. Tu vas commencer à regarder là où tu es tombé. Tu vas commencer à regarder là où tu t'es mis en colère. Tu vas commencer à regarder là où l'orgueil encore est en train de remonter en toi. Je t'ai souvenu que tu viens de faire un jeûne pour briser l'orgueil en toi. Tu vas commencer à regarder à tout ce que tu as eu à faire, à tout ce que tu as eu à entendre, à tout ce que tu as eu à dire. Et tu vas commencer à te répandre sincèrement. Et tu vas commencer à te répandre sincèrement. Et tu vas commencer à te répandre sincèrement. Et demande pardon au Seigneur. Tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Prie pour les offenses. Pour les offenses, pour les mensonges, pour toutes les querelles que tu as eu à créer autour de toi, c'est pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche, toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche, bien aimé, répands-toi sincèrement, répands-toi sincèrement. Proverbe 26, verset 13, que celui qui casse ses transgressions les prospère plus, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pourquoi ce soir tu vas te repentir de tous tes péchés, tu vas te repentir de ton péché. Tu vas te repentir de ton péché. C'est là où tu es tombé. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Tu vas demander au Seigneur de te sauver. Tu vas demander au Seigneur de te relever. Tu vas demander au Seigneur de te fortifier. Car alors que tu as décidé d'abandonner le péché. Car alors que tu as décidé d'abandonner le mensonge. Lorsque tu as décidé de t'abandonner la colère. Au même moment, tu retombes encore dans la colère. Au même moment, tu retombes encore dans les querelles. Au même moment, tu retombes encore dans les calomnies. Parce que Seigneur a dit que c'est de vivre par la force, de vivre par la puissance, mais c'est par mon esprit. Mais c'est que tu prends la décision dans la chair d'abandonner des choses. Mais laisse-moi te dire que tu vas encore retomber. Laisse-moi te dire que tu vas encore retomber. C'est pourquoi tu dois être humble. C'est pourquoi tu dois être rempli de l'esprit d'humilité. Et te laisser passionner par Dieu. Et te laisser conduire par l'esprit de Dieu. Et te laisser passionner par Dieu. Et te laisser conduire par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi tu vas te repentir sincèrement ce soir. C'est pourquoi tu vas te repentir sincèrement ce soir. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Pour chaque fois que tu as eu à critiquer ses serviteurs. Pour chaque fois que tu as eu à mettre la perception à ses serviteurs. Pour chaque fois que tu as eu à jeter le disque dit. Si tu es un serviteur, si tu es de celui-là, fais plus moyen. Quand il prie, il n'y a pas d'option. Est-ce que tu as même appelé? Est-ce que tu as même voulu faire ce que tu as dit? Parce que tu as mis la différence entre eux. Réponds-toi bien aimé. 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 Quelqu'un en face de toi, quelqu'un a des besoins. Est-ce que j'avais la possibilité d'aider ton frère? J'avais la possibilité
J'avais ta main. Alors que ton frère était dans les besoins. Ta soeur était dans les besoins. Mais tu t'es dit, c'est parce que je me suis choisi que j'ai eu cette chose. Donc cela m'a passé à moi. Je ne veux pas marier mon père avec mon péché. Réveille, repas-toi ce soir. Repas-toi ce soir. Lorsque tu t'es retrouvé dans l'assemblée du Seigneur, lorsque tu t'es retrouvé dans l'assemblée des saints, l'appel a été lancé pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas donner l'argent. Alors que tu as l'argent qui compte, quand tu commences à murmurer, tu as dit mon argent qui compte, pour continuer. Réveille, repas-toi sincèrement. Repends-toi sincèrement. Pour tout engagement que tu as eu à prendre, auprès de Dieu. Pour tout engagement que tu as eu à prendre, avec le serviteur de Dieu. Parce que tu n'as pas honoré l'engagement. Oui, le serviteur de Dieu a tout oublié. Mais lorsque tu as parlé, ce n'est pas un homme que tu as parlé. C'est avec Dieu que tu as pris cet engagement. Parce que tu n'as pas honoré. Tu penses que tu es intelligent. Mais ce décret-là te condamne. Ce décret-là te réussit d'abord. Ce décret-là n'existe pas comme toi. C'est pourquoi tu vas te repentir maintenant. De tout engagement, tu as eu à prendre dans la présence du Seigneur. Parce que tu es le serviteur de Dieu. Tu as dit à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à évangéliser autour de moi. À partir d'aujourd'hui, je vais participer au campagne d'évangélisation. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à venir à la famille. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à soutenir le peuple de Dieu avec mes moyens, avec mon temps, avec ma maison. Je vais venir le serviteur de Dieu chez moi. Tu as commencé à prendre les engagements. C'est lorsque tu es sorti de la présence de Dieu, tu as abandonné, tu as oublié toutes ces choses. Viens, réponds pas ce matin. Repends-toi sincèrement ce soir. Ne sois pas fatigué, bien-aimé. Puis quand tu viens à l'église, tu fouilles dans ton argent. Puis le pied est déchiré. La pièce qui est lisse, c'est cette pièce que tu prends. Vous venez mettre dans la corbeille de tes offrandes. Bien-aimé, repends-toi sincèrement. Même quand tu veux monter dans le Woro, tu prends toujours le souhait de vérifier si l'argent que tu as, si le chauffeur du Woro va l'accepter. Mais l'argent que le chauffeur du Woro même va vous refuser, c'est celui-là que tu prends pour le mettre dans la promesse de Dieu. Quand tu dis que je vais déposer nos offrandes dans la maison de Dieu, repends-toi sincèrement. Oui, tu es parti faire business. Oui, tu es parti voler. Tu as envoyé quelqu'un. Et lorsque tu as eu l'argent, tu as pris cet argent. Mais tu veux le mettre dans la promesse de Dieu. Bien-aimé, repends-toi. Car cette offrande n'est pas agréable à Dieu. Repends-toi sincèrement, bien-aimé. Lorsque tu as donné rendez-vous à Dieu, fais le Seigneur là, il t'attend. Et tu continues de traîner les pas en chemin. Ça aussi, c'est une forme de négligence. Repends-toi sincèrement. Où chaque fois que tu viens en retard dans la présence du Seigneur, repends-toi sincèrement. Lorsqu'on t'appelle pour un entretien d'embauche, tu te réveilles, tu es la première personne arrivée. Mais lorsque tu donnes rendez-vous à ton Créateur, tu es toujours en retard. Tu prends tout le temps. Et même quand tu es en train de travailler, quand tu es libéré, pour être détaché pour venir à la présence du Seigneur, tu continues encore de traîner les pas. Repends-toi ce soir. Tu es en train de traîner les pas. Repends-toi sincèrement. Lorsque tu as donné rendez-vous à Dieu,
Tu as dit, Seigneur, je veux que tu me réveilles. Pourquoi il y a plus d'adorer? Pourquoi il y a plus d'intercédé pour ton église? Pour tes serviteurs, pour tes servantes. Parce que le désert doit arriver. Ton réveil sonne, tu ne te réveilles pas, tu coupes et tu te couches encore. Le Seigneur veut faire couper le sommeil. Tu te poses encore pour dormir. Tu prends les draps, tu te coupes, tu changes de position et tu continues encore ton sommeil. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Quand le Seigneur n'est pas le camarade de quelqu'un, il n'est pas l'engagement avec lui. Il n'est pas honoré ton engagement. Le Seigneur n'est pas le camarade de quelqu'un. Pourquoi tu ne peux pas l'engagement avec lui? Je n'ai pas honoré cet engagement. Si tu sais que tu ne peux pas te réveiller tard la nuit pour prier, réponds-toi. Prends-tu un engagement? Pourquoi donnes-tu un rendez-vous au Seigneur? Jésus, je vais me réveiller à 2h du matin. Je vais me réveiller à 2h du matin. Pour adorer, vous élevez la voix pour ton église. Et lorsque 2h du matin arrive, c'est maintenant que le sommeil est dur dans tes yeux. C'est maintenant que le sommeil est dur dans tes yeux. Bien-aimé, réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, ta commande, mon Seigneur. Je vais m'en faire moquerie, de moquerie, de calomnie, de moquerie. Mais lorsque tu vois ton frère, dans une situation inconfortable, tu veux le soutenir, tu veux le couvrir sa nudité. Tu ne veux pas l'exposer, tu ne veux pas l'exposer, tu ne veux pas être humilié, tu ne veux pas être moqué de lui. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi pour la distraction dans la présence du Seigneur. Jouez la souveraineté, le commence. On lui disposez-vous. Disposez-vous, le Seigneur va vous visiter. Tu n'es pas disposé, tu passes ton temps à regarder l'homme de Dieu qui dirige. Tu vas même aller faire des souris, aller faire des plaintes d'ailleurs. C'est le moment que tu choisis pour faire paraître l'esprit de séduction qui est en toi. Pour séduire l'homme de Dieu. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Tu cherches que tu as été distrait dans la présence du Seigneur. Tu cherches que tu as été distrait dans la présence du Seigneur. Lorsque tu as dit la paix du Seigneur, c'est le moment pour toi de commencer à envoyer les SMS. C'est le moment pour toi de commencer à envoyer les appels. Lorsque ton téléphone sort, tu sors, tu dois téléphoner et tu reviens. Tu sors, tu dois téléphoner et tu reviens. Tu sors, tu dois téléphoner et tu reviens. Lorsque tu viens de la présence du Seigneur, le cri n'a pas encore commencé. Réponds-toi. Le cri n'a pas encore commencé. Tu peux prendre toutes tes professions, aller aux toilettes, mais tu attends. Lorsque la prière commence, c'est là que tu vas commencer à défiler. C'est là que tu vas commencer à défiler. Réponds-toi. C'est là que tu vas commencer à défiler. Bien-aimé, réponds-toi. Prie de la tribulation. Parce que tu déranges. Parce que tu te concentres. Parce que tu te concentres. Prie de Dieu. Tu te concentres. C'est l'aimé de Dieu. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi de la distraction. Réponds-toi de la distraction. Réponds-toi de la distraction. Réponds-toi de la distraction. Tu t'as donné le travail. Lorsque tu es payé à la fin du mois, tu viens d'envoyer la part du Seigneur. Tu dis mon argent n'est pas beaucoup. Je ne peux pas lever le dîme dedans. Je ne peux pas lever le dîme dedans. Je ne peux pas donner le dîme. Parce que je suis payé à 20 000 francs. Parce que je suis payé à 30 000 francs. Parce que je suis payé à 50 000 francs. Mais laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur te donne 10 000 francs, dès que tu n'es pas capable de lui donner 1000 francs, ce n'est pas le jour qui va te donner 100 000 francs, mais tu seras capable de lui donner 10 000 francs, bien aimé. Moi, le Seigneur dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confie les grandes choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras également fidèle dans les grandes choses. Mais comment ça est fidèle dans les petites choses, bien aimé? Comment ça est fidèle dans les petites choses? Oui, le Seigneur te donne cette petite chose. Pourquoi ta foi? Pourquoi combien de fois tu l'aimes? Pourquoi tu puisses manifester ton amour envers lui? Mais tu retiens ta main, bien-aimé. 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 Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi de la cupidité. Ça, c'est un esprit cupide. C'est l'amour de l'argent. Tu es attaché à ton argent. Tu es attaché au bien matériel. C'est ce qui t'empêche de donner à Dieu. Afin que tu sois béni. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas être béni si tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne peux pas être béni si tu ne sèmes pas.
Tu ne peux pas être béni si tu n'ouvres pas ta main. Cette main qui est fermée, elle ne peut pas recevoir avec la main. C'est pourquoi tu vas te répandre ce soir. De l'avarice, pas. De l'avarice, pas. Plus tu as l'argent, tu marches avec tes soeurs. Elles ont faim. Tu as aussi faim. Mais tu te dis, si je paye, je dois payer pour tout le monde. Alors pour cela, tu retiens. Tu y retiens. Tu ne veux pas payer la nourriture. Tu ne veux pas payer la nourriture. C'est de la méchanceté. C'est de l'avarice, ma bien-aimée. Plus tu as l'argent, on vous invite à manger. Tout le monde continue pour manger. Mais tu as l'argent. Tu t'as choisi ton argent. Mais tu manges pour les autres. Bien-aimée, réponds-toi. Répands-toi de l'avarice, bien-aimé. Répands-toi de l'avarice. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Dis pas que tu es dans la tricherie. Répands-toi. Répands-toi. Tu triches en classe. Tu triches même à la maison. À la maison. Tu triches dans les affaires. Dans les affaires. Dans la corruption. Dans la corruption. Répands-toi de ces choses. Répands-toi de ces choses. Aucun voleur. Aucun voleur. Le littéral du royaume des cieux. Répands-toi du pain. Répands-toi de ces choses. Rappuie le bien de quelqu'un. Rappuie le bien de quelqu'un. Rappuie le bien de quelqu'un. Même de ta femme. Même de ton mari. De ton frère et ta soeur. Répands-toi de ces choses. Pour que tu as pris ça, lui demander. Répands-toi. Pour tout ce qu'il y a à prendre. Sans demander la permission. Et tu penses que tu es intelligent. Oui, tu dis, il a oublié. Oui. Tu dis, ce n'est pas important. Tu as dépensé. Il a donné ça. Il a oublié. Beaucoup, il a oublié. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Répands-toi du mensonge. Tu dois rendez-vous à quelqu'un. Tu n'as même pas encore quitté la maison. On t'appelle, on dit tu es où? Tu dis le laisser à départ. Alors que tu n'as même pas quoi, tu n'as même pas quoi habiller. Bien-aimé, répands-toi du mensonge. Répands-toi du mensonge. Laisse-moi te dire qu'il n'a pas petit mensonge. Oh, bien-aimé. Tu n'as pas petit mensonge. Pas million. Tu n'as pas quoi dire. Oh, l'autre t'appelle. Oui. Tu dis, je suis à Angré. Oui, alors que tu as rendez-vous à Angré. Bien-aimé. Et pourtant, tu n'as pas quoi dire. Et pourtant, tu n'as pas quoi dire. Tu n'as pas quoi arriver. Tu n'as pas quoi dire à ta fille. Et tu dis j'arrive, je suis dans l'embouteillage, alors que tu es encore à la maison. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi de dire déchire ton cœur. Déchire ton cœur ce soir. Réponds-nous sur vêtements. Déchire ton cœur. Plaide devant Dieu. Plaide, je plaide devant lui ce soir. Plaide. Plaide ce soir. Plaide. Afin que si nos péchés étaient noirs comme le tramasi, qu'il soit blanc comme la neige. Mais s'il était rouge comme le pot de la poudre, qu'il soit blanc. Prends ta résolution. Prends la résolution. Ne plus tomber là devant l'Éternel. Plaide ta cause. Oui. Plaide ta cause devant Dieu. Plaide ta cause. Plaide devant lui ce soir. Plaide ta cause. Plaide devant lui ce soir. Plaide ta cause. Crie à lui ce soir. Déchire ton cœur ce soir. Déchire ton cœur devant lui. Déchire ton cœur ce soir. Crie en pleine conscience ce soir. Déchire ton cœur ce soir. Déchire ton cœur ce soir. Déchire ton cœur ce soir, bien-aimé. Déchire ton cœur. Pleure devant lui. Il dit, je suis un Dieu compatissant. Amen. Je suis un Dieu compatissant. Dans la colère. Riche à monter. Il dit, sa colère ne dure qu'un instant. Mais sa miséricorde dure toute une vie. Amen. Sa miséricorde dure toute une vie. Si tu veux bénéficier de la colère, de la miséricorde de Dieu, il va falloir passer par la phase de repentance. C'est pourquoi tu vas te repentir sincèrement. Si tu veux obtenir sa miséricorde, tu dois te repentir. Car il a dit dans le livre 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et de nous purifier de toutes nos iniquités. Bien-aimé, confesse ton péché en ce soir. Bien-aimé, confesse ton péché en ce soir. Confesse ton péché en ce soir. Et prends une résolution ce soir. Prends une résolution ce soir. Il réveille ma mémoire. C'est au Seigneur. Oui. Je vais ouvrir une nouvelle page avec toi. Prends des résolutions. Je vais marcher à nouveau pas le dire avec toi. La repentance, c'est là. Abandonne. Oui. Ta mauvaise vie. Abandonne ce comportement qui te plaît à l'Éternel. Abandonne ce comportement qui te plaît à l'Éternel. Plus ce comportement que toi-même tu connais. Que tu appelles péché mignon. Prends la résolution aujourd'hui. Et dis au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher à nouveauté de vie. Avec toi, avec ton esprit, aide-moi à marcher à nouveauté de vie.
Aide-moi à marcher à nouveau dans le pays. Donne-moi de ne plus retourner à mon vomi. Donne-moi de ne plus retourner à ce qu'il y a vomi. Donne-moi la force de résister au péché. Donne-moi la force de résister au péché. Donne-moi la force de résister au péché. Quelle que soit la forme, dans tous les compartiments, dans tous les compartiments de ma vie, donne-moi de m'éloigner du péché. Mets le dégoût du péché dans mon cœur. Mets le dégoût du péché dans mon cœur. Mets le dégoût du péché dans mon cœur. Et donne-moi de marcher en nouveauté de vie. Donne-moi de marcher en nouveauté de vie. Pour une nouvelle page de ma vie. Pour une nouvelle page de ma vie. Pour une nouvelle page de ma vie. Et donne-moi d'être une nouvelle créature. Et de marcher avec moi. Et de marcher avec toi. Car je ne vis pas ma force. Je ne vis pas la puissance. Mais c'est par ton esprit que je parviendrai à abandonner le péché. Seigneur Jésus. Mets le dégoût du péché dans mon cœur. 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 Là où je vais, une occasion de chute pour mon frère. Seigneur, aide-moi. 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 Soutiens-moi à abandonner ce chemin. Soutiens-moi. Aide-moi à ne pas être une occasion de chute pour mon frère, pour ma soeur. Prie au nom de Jésus. Par à Dieu. Par à Dieu. Par à Dieu. Par à Dieu ce soir. Par à Dieu ce soir. Par à Dieu ce soir. Par à Dieu. Lève la voix et parle à Dieu. Dis-lui que tu ne veux plus pécher. Tu donnes la force de détester le péché. De vomir le péché, de ne plus retenir son péché. Renonce à ces choses. Le Seigneur ne se réunit pas ta force. Renonce aux divisions. Renonce à ta puissance. Renonce aux querelles. Ne sais pas ce renonce à l'animosité. Réclame cela. Renonce aux palabres. Renonce aux divisions. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne veux pas être venu. Pas être venu du pont. Pas du pont. Viens te fortifier. Viens te fortifier. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes repentis. Nous avons demandé au Seigneur de nous pardonner. Au nom de Jésus. Nous avons fait une révolution de marcher à nouveauté de vie avec lui. Mais ce dossier-là encore existe. Ce dossier-là encore existe. C'est pourquoi Colossiens 2, verset 14 dit que Christ a effacé là où les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistaient contre nous. Il les a effacés avec quoi? C'est au plus de sa vie à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Son sang a coulé. Le sang de Jésus est une arme fatale pour le péché, pour le monde des ténèbres. C'est pourquoi même Apocalypse 12, verset 11 nous dit que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi ce soir, tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Car Hébreux 12, Hébreux 9, verset 22 dit que sans réfugier le sang, il n'y a point de pardon. C'est pourquoi tu vas réclamer le sang de Jésus. Afin que là où le péché était caché en toi, afin que là où le péché avait souillé ta robe, que par le sang de Jésus, que ta robe soit purifiée en ce soir. Que ton âme soit purifiée en ce soir. Que ta vie soit purifiée en ce soir. Que ton cœur soit purifié en ce soir. Alors tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient te laver le corps. C'est sûr, le sang de Jésus vient te laver le corps. Le sang de Jésus vient te laver le corps. Le sang de Jésus vient te laver le corps. Le sang de Jésus vient te laver le corps. Le sang de Jésus vient te laver le corps. Le sang de Jésus lave ton corps. Le sang de Jésus lave ton âme. Le sang de Jésus lave ton esprit. Il lave tes pensées. Il lave tes mains. Il lave tes mains. Le sang de Jésus, 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 le sang de
Quand même si meurt, je le ressusciterai au dernier jour. C'est pourquoi tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Afin que tout ce qui était moi en toi, que le sang de Jésus que tu bois, que tout ce que l'ennemi avait tué en toi, que tout ce que le péché avait tué en toi, que tout cela commence à prendre vie maintenant. Dans la parole déclare que lorsque le Seigneur était cloué à la croix, lorsque son sang est tombé, les sépulcres se sont ouverts et les saints sont revenus à la vie. Vous dites que dans le sang de Jésus, il y a la vie. Vous dites que dans le sang de Jésus, il y a la vie. Quelle que soit la maladie que tu traverses, quelle que soit la maladie que les docteurs ont détectée dans tes entrailles, ils ont dit que tu étais frappé d'esprit, que tes trompes étaient bouchées, qu'il y avait ulcère, qu'il y avait diabète, eux autres. Le sang de Jésus est capable de te guérir ce soir, tu vois. Le sang de Jésus est capable de te guérir ce soir, tu vois. C'est pourquoi tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Parce que tout ce qui ne fait pas le poids. Moi, c'est mon dessin de toi. Mais quand tu veux le sang, moi, encore. Comment on a donné en vie? Jésus. Tu vas répéter avec moi.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Et par la parole. Et par la parole. De leur témoignage. De leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie. Ils n'ont pas aimé la vie. Jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Je crois. Je crois en Dieu. En Dieu. Et je crois en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je crois. Je crois au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit de Dieu. De Dieu. Qui demeure. Qui demeure en moi. En moi. Je crois. Je crois en la puissance. En la puissance. Inébranlable. Inébranlable. Éternelle. Éternelle. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je crois. Je crois que la vie. Et la vie. Et la mort. Et la mort. Sont au pouvoir. Sont au pouvoir. De ma langue. De ma langue. Ton pouvoir. Ton pouvoir. De ma langue. De ma langue. Je crois. Je crois. Que les confessions. Que les confessions. Qui sortent. Qui sortent. Du pouvoir. Du pouvoir. De ma langue. De ma langue. Sont les paroles. Sont les paroles. De l'éternel. De l'éternel. Mets dans ma bouche. Mets dans ma bouche. En ces jours. En ces jours. Me feront prospérer. Me feront prospérer. Me feront prospérer. Me feront prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Que Christ. Christ a offert, son sang, comme le breuvage, et sa chair, comme le pain, afin que, quiconque mange, sa chair, et boit, son sang, ne mourra jamais, je reçois, en moi, les vertus, la force, la puissance, la capacité, et l'onction, contenue. Dans le sang, que je déclare, que le sang vivifie tout ce qui est mort en moi, au nom de Jésus, que tout ce qui est endommagé, que tout ce qui est endommagé, maladie affaiblie en moi, que tout l'est spirituel, que toute force paralysée. En moi, soit ressuscité, par le sang de Jésus, soit ressuscité, par le sang de Jésus, soit ressuscité, par le sang de Jésus, que le sang revitalise, redynamise, réactive, et réanime tout potentiel, tout don spirituel, tout talent, et tout don spirituel, mort en moi. À moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang. Que le sang. De l'agneau. De l'agneau. Me purifie. Me purifie. De tout dépôt. De tout dépôt. Maléfique. Maléfique. Dans mon système. Dans mon système. L'héritage. L'héritage. Dans l'héritage. Dans l'héritage. Que j'ai reçu. Que j'ai reçu. De mon père. De mon père. De ma mère. De ma mère. De mon père. De mon père. De ma mère. De ma mère. De toute malédiction. De toute malédiction. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Qui devait se régner, se rattacher à moi, à ma descendance, soit brisé, soit brisé. I'm going to go to the hospital.
Isaïe 9, verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la veille de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée des mendiants. Car toutes chaussures qu'on porte à la mêlée, et tout vêtement guerrier, roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Alléluia. Amen. Dans ce passage d'Ésaïe 49, verset 4 à 5, Dieu dit que la bataille se fera par le feu. Au nom de Jésus. Par les flammes de feu. Et le feu dévorant. Que Dieu s'élève à notre faveur ce soir. Au nom de Jésus. Qui s'élève à notre faveur ce soir. Au nom de Jésus. Afin que nos ennemis soient dispersés. Au nom de Jésus. Afin que nos ennemis soient dispersés. Au nom de Jésus. Et que nous rattrapons ce que nous avons perdu. Au nom de Jésus. Et que nous rattrapons ce que nous avons perdu. Au nom de Jésus. Et restons nos vies à ce soir. Au nom de Jésus. Et que nous dépassons ce que nous avons maintenu en captivité. Au nom de Jésus. En captivité. C'est pourquoi tu vas élever la main d'autorité. Et tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Tu vas dire, je me tends. Je me tends. Dans le sang, dans le sang de Jésus, de Jésus. Je me tends, je me tends. Esprit, esprit, âme, âme, le corps, le corps. Dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Je me tends, bon. Je me tends, bon. Esprit, esprit, âme, âme, le corps, le corps. Dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Exerce mes mains, exerce mes mains à la bataille, à la bataille. Exerce mes mains, exerce mes mains à la bataille, à la bataille. Et mes doigts, et mes doigts au combat, au combat. Et mes doigts, et mes doigts au combat, au combat. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare, je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout pouvoir, tout pouvoir, assigné, assigné, contre moi, contre moi, contre moi, tout pouvoir, assigné, assigné, contre mon sang, contre mon sang, je te condamne, 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 tombe, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout mangeur, de chair, de sang, de sang, manger, 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 votre propre chair, votre propre chair, et buvez, votre propre sang, manger, manger, votre propre chair, votre propre chair, et buvez, votre propre sang, votre propre sang. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Il a dit que ce n'est ni par la, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Donc ce n'est pas parce que ton frère est sorcier que tu vas prier contre lui. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui nous dit encore dans Exode chapitre 22, au verset 18. Il dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. La magicienne, c'est le sorcier. Il dit, on ne va pas vivre. Donc c'est la seule partie où le Seigneur nous donne l'autorisation de tuer. Alléluia. Amen. Et aucun sang de Jésus sera réclamé. Alléluia. Amen. Donc tu vas crier ce soir. Tu vas dire au Seigneur que tout mangeait de chair, tout buvait de sang. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils sont malades, ils ne peuvent pas grossir. Et pourtant, dans le monde spirituel, ils sont en train de manger ta chair. Il y a des gens aussi, ils ont mis un fil sur eux. Et le tuyau est relié à une vitesse spirituelle. Donc chaque fois qu'il va à l'hôpital, on fait transfusion sanguine. Il est tout anémié. Il est tout anémié. Il est tout anémié. Et cela est Dieu à comment? Parce que tu as eu un jour à te bagarrer avec le bas. Ton sang a coulé. Tu as eu à jeter tes mensuels dans la bannière. Tu as jeté ça dans la rue. Et il te guettait. Il a pris. Alors, c'est fait qu'il a eu une goutte de ton sang. Il a eu un point de contact. Donc il a déjà mis son tuyau. Et chaque fois, tu es animé. Tu vois que tes enfants, tout le temps, ils sont animés. Tout le temps, ils sont animés. La lèvre de la sorcellerie qui est en bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va reprendre ce point de prière. Et tu vas prier avec foi. Après que celui-là même qui s'élève contre tes enfants, qui s'élève contre ta vie pour manger ta chair. Le Seigneur dit dans le livre de Somme 27, que si une armée se campe contre nous, que je n'ai aucune crainte. Et il a dit encore, que si les gens, l'armée se campe, se lève contre nous pour dévorer nos chairs, c'est nos persécuteurs et nos ennemis qui seront livrés à nos places. Alléluia. Amen. Donc on dit qu'il y a effectivement des gens qui mangent la chair. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas sacrifiés de quelqu'un, nous ne sommes pas moutons de quelqu'un. Pour qu'on puisse nous prendre par le sacrifice, nous manger. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout mangeur, de chair, tout buveur, de sang, qui s'est levé, contre moi, à ma famille, maternelle, dans ma famille, paternelle, dans mon foyer, dans ma belle famille, dans mon entourage, dans mon quartier, dans notre assemblée. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, salut dans ta parole. Je n'ai point vivre dans ma vie sienne. C'est pourquoi, à ce soir, je déclare, au nom de Jésus, c'est tout argent, qui s'est levé contre moi, pour manger ma chair, pour boire mon sang, comme mes mains, Jésus.
On va bénir le Seigneur. On va lui dire de prendre le contrôle. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de notre Seigneur Jésus. Alléluia. La nourriture la plus solide est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas prier afin que l'ennemi ne vienne pas prendre cette semence-là. Amen. Qui sera relâchée par le Saint-Esprit lui-même. Amen. Que tout ce qui est lourdeur, distraction, oisiveté, sorte de ce lieu. Amen. Que tout ce qui est agent vagabond de l'ennemi soit frappé à l'instant. Au nom de Jésus. Et que tout soit assujetti par l'Esprit du Seigneur. Élève la voix. Et confie ce moment à notre Seigneur Jésus. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Prends le contrôle de ce qui va être fait. Dispose l'atmosphère. Père, nous chassons maintenant la lourdeur, l'oisiveté, la distraction. Nous chassons le dévorant. Prends le contrôle. Dispose toutes choses. Garde ton esprit. Que Seigneur, ton esprit parle et que la chair se pèse et que le cœur soit disposé afin de recevoir cette semence et qu'elle soit scellée dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content de voir ton frère? Amen. Je voudrais d'abord saluer ton frère et ta soeur. Votre frère Réchalom. Frère Réchalom à ton frère. Alléluia. Amen. L'autorité de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous venons de 21 jours de jeûne et prière, de consécration. Amen. Afin que le Seigneur puisse
nous utiliser pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et chacun de vous croit dans son cœur qu'il a reçu dans ces 21 jours-là ce qu'il a demandé au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'était spéciale repentance. Alléluia. Amen. Orgueil, idolâtrie, négligence. Donc tu dois croire dans ton cœur que le Seigneur t'a libéré de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la victoire de la marche avec Jésus, c'est la sainteté. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu veilles sur ton âme, ton corps, ton esprit, pour ne pas que cela tombe dans le péché, quand tu remportes la victoire sur le péché, c'est là le vrai combat. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi vient, il doit rien avoir en toi. Amen. Quand il fouille les dossiers, là, il n'y a rien pour t'accuser. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on ne manquera jamais, on ne cessera jamais de taper sur la sainteté, sur le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On entend souvent dire, et c'est dans la parole de Dieu, que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Alléluia. Amen. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc on s'est arrêté sur la chair, puis on pêche. Alléluia. Amen. Donc il y a la chair, puis il y a l'esprit. Donc quand tu laisses la chair prendre le dessus, c'est terminé. Oh, le Seigneur de l'Esprit est disposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est passé la chair faible que nous tombons? Ah. C'est la chair qui a été dit, va. Faut draguer. Va, faut payer aux têtes. C'est la chair qui n'est pas complète. Alléluia. Amen. Le Seigneur de l'Esprit est disposé. Alléluia. Il y a une maman qui nous racontait une histoire. La chair est faible, l'esprit est disposé. Elle aussi est dit, elle est chrétienne. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ils ont commencé dehors. La chair est faible, mais ils sont voir seulement. L'esprit est disposé. La chair est faible, ils ont fini de payer au tel. La chair est faible, ils sont rentrés. C'est péché qui te soulève comme ça. Ils sont arrivés à ça, là, ils se rendent compte qu'elle est chrétienne aussi. Là, elle a pris. Jésus, c'est dans quoi ici rentrer où? La chair est faible, elle dit, ça m'a envoyé ici. Oh. Alléluia. Elle a commencé à prier devant le monsieur. Le monsieur l'a fui. Dis, c'est moi là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère. Nous péchons parce que nous manquons de foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on pêche. Les chrétiens, ils pêchent parce qu'ils manquent de foi. Ce n'est pas la chair qui est faible. C'est parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit le message à ça. Nous péchons par manque de foi. Amen. Et non par faiblesse de la chair. Nous péchons par manque de foi et non par faiblesse de la chair. Ce n'est pas la chair qui est faible. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, la chair est faible. Parce que là où il y a l'esprit, les choses charnelles ne peuvent pas supporter. Ta chair est faible parce que dans les choses de l'esprit, tu joues, tu t'amuses, tu es distrait, tu es léger. C'est pourquoi ta chair est faible. Alléluia. Amen. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. On ne peut pas mélanger les deux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit sa parole est un couteau à double tranchant. Pour séparer la chair et l'esprit. Alléluia. Amen. Ça va passer que tu as l'esprit que la chair ne parle plus. Elle ne va pas parler. Mais tu dois la sujeter. Tu dois dire tais-toi.
Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La chair ne peut pas supporter la puissance, bien aimé, de, des choses de l'esprit. Non. Alléluia. Amen. On va prendre Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Et puis 2 Corinthiens 10, verset 4. Matthieu 26, verset 41. Verset 41. Mmh. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mmh. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Alléluia. Pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veillez et priez. Alléluia. Amen. Veillez et priez. Gloire à Jésus. Amen. Les âmes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Quand tu dis casse de salut, tu vois. Jamais. Tu ne vois pas. Mais c'est spirituel. Mais si tu crois dans ton cœur, tu reçois le casque. Quand tu dis l'épée de l'esprit, là, est-ce que tu vois l'épée là? Non. Si tu n'es pas spirituel, que tu es charnel, tu ne verras rien. Alléluia. Amen. Tout va dépendre de ta foi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On prend encore Luc 4, versets 1 à 10. Jésus lui-même. Luc 4, verset 1 à 10. Luc 4, verset 1 à 10. Chérie, au nom de Jésus. Jésus rempli du Saint-Esprit. Ah, il est rempli, hein? Alléluia. Réveil du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de paix seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va compléter 1 Corinthiens 10. Verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, Papa Jésus qui est notre modèle, 40 jours de jeûne et prière, rempli du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Qui est venu le tenter? Le diable. Alléluia. Amen. Péché, ça commence par un coup, ça commence par tentation. Alléluia. Amen. Tentation, c'est comme Amesson. Amesson. Verbe d'éther au bout d'Amesson. Donc s'il t'attrape, l'Amesson te tue. Et toi, tu as vu verbe d'éther. Quand tu veux manger. Alléluia. Jésus a été tenté par Satan. 40 jours. Alléluia. On dit Jésus a eu quoi? Faim. Alors tu jeûnes plus ta faim. Tu fais une étoile de Jésus a eu faim. Le diable est venu le tenter. Voilà Gabi. Un beau photo. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a été tenté, frères et sœurs. Tenté, tenté, tenté. Faiblesse de la chair. Donc quand il y a faim, c'est une faiblesse de la chair. Alléluia. La chair est faible, non? Pourquoi il n'a pas mangé? Oh, la chair est faible. La chair. Il aurait pu manger. Mais l'esprit est disposé. Gloire à Dieu. Satan viendra toujours, frères et sœurs. Tu veux où? Tu veux, il viendra. Mais là, ça va dépendre de comment tu vas réagir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a eu faim. Dans sa faiblesse, là, il a déclaré avec foi. Alléluia. Il n'a pas dit, je te taille en pièces. Sors. Vas-y, sors. Non. Parole contre parole. Alléluia. Amen. Le diable connaît la parole. C'est pourquoi le Seigneur dit veillez et priez. Donc ta méditation doit t'amener à connaître la parole. Quand il viendra, tu vas dire il est écrit. C'est avec qu'il est écrit là que tu as gagné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit. Il est écrit dans la faiblesse de la chair de Jésus. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit, quoi que vous fassiez, quand tu manges, quand tu manges, ça soit pour la gloire de Dieu. Quand tu danses, il faut que ça soit pour la gloire de Dieu. Quand tu chantes, il faut que ça soit pour la gloire de Dieu. À cause de ce qu'il veut que ça soit pour la gloire de Dieu, il n'a pas accepté de manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a accepté d'emprunter la voie de Dieu. Il a accepté d'emprunter la voie de l'esprit et non de la chair. La chair te dit mange. Parce que tu as un problème avec ton ventre. Il y a une ulcère, il faut manger. C'est la chair qui va te dire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant, toi-même, tu sais que les Écritures disent que c'est le médecin par excellence. Que c'est lui qui guérit. Où est ta foi alors? Hey, alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des fois, plus, c'est quoi là? Vous voyez, nous, les satanistes, les sorciers, là, ils gênent. Alléluia. Nous, pas raison, nous, les enfants de Dieu. Et tu vois, qu'il y avait là. Ça, c'était là, mon, au début, dans la scène d'autrui. Alléluia. Et, là, moi, ici, je suis rentré dans la scène d'autrui, où j'ai eu vraiment. Confiance à 100%. C'est après les premiers 21 jours d'Afrique qui avaient été décrétés. Je suis venu ici, à une clinique, on dit Saint-Ariel, ici, c'est pas fait la publicité. Mon dossier est encore là-bas. J'ai fait l'électrocardiogramme, tout ça. On dit, j'ai fait plus gros que vivo, mais quand je l'ai dans ma bouche, je parlais, je faisais les tests. On dit, j'ai eu sain. Donc voilà, j'ai tiens 21 jours après, moi, il n'a jamais fait ça. Il dit, bon, Seigneur, je vais faire ça pour la gloire. Comme tu es le médecin par excellence, je sais que tu vas agir dans la vie. Alléluia! Il a fait les 21 jours, tu sais, a disparu. Jésus! Quand les gars vont décréter un jeune, tu vas dire non, il y a telle maladie, il n'est pas fait. Il y en a qui disent non, moi, il y a mal au genou, je ne peux pas me mettre à genoux pour prier, ça arrête. Je suis parti une fois à la veillée. Samedi, je suis venu à la maison. Parce qu'elle m'a appelé pour dire que ah, ma cousine a tenu le bourrier à Yokoubo. Elle m'a dit prier pour elle. Quand la fille fait la prière de combat, il dit bon, dispose-toi, on va prier pour toi.
Elle dit, il ne peut pas s'arrêter. Il dit, non, donc mets-toi à genoux alors. Elle dit, non, ces genoux lui font mal. Il a dit, les genoux, c'est bon, mal là. Il faut faire ça pour Jésus. Jésus va te guérir. Amen, 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 amen. On a commencé à prier, net là. L'esprit de mort. On a pu les chasser là. Genoux, pauvre à pauvre. Tout maladie était là. Tout a disparu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La parole de Dieu est vraie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas foi en ce que tu déclares, qui est la parole de Dieu, frère, tu vas retourner tout à tes bouts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus connaissait les Écritures. Satan connaissait les Écritures. Jésus a choisi de proclamer les Écritures. Satan s'est retourné. Mais parti a disparu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas prononcé avec routine, par formaliste. On dit répands-toi. Toi, tu prends ces chansons. Tu as dit, répands-toi, tu as peur. Mon père va entendre mon péché. Oh. De quoi tu parles? Il y a une affaire de salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a parlé avec conviction. La parole de Dieu dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Amen. Donc quand tu prononces et puis tu ne crois pas dans ton cœur que ça va agir, frère, c'est péché en même temps. Alléluia. Amen. Jésus a prononcé avec foi. Satan a fui. Alléluia. Amen. Et nous-mêmes, comment réagissons-nous quand on est devant des situations? Quand on a faim, comment on réagit? Quand il n'y a pas l'argent, comment on réagit? Quand on n'a pas l'argent pour payer la fourniture des enfants, comment on réagit? Quand on regarde notre placard et puis c'est vide, qu'est-ce qu'on dit à Satan? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on dit au Seigneur Jésus selon Matthieu 7, 7, demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Des fois, on pense à voler. On pense à mentir. On pense à faire des micmacs. On pense à gonfler des factures. On pense à facturer même la liste de fournitures. C'est comme ça qu'on agit. C'est-à-dire qu'on est sûr que comme on n'a rien, on ne va pas manger. Mais on n'est pas sûr que quand on dira à Jésus, il va envoyer. Mais où est ta foi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sûr que tu as fibrome. Mais tu n'es pas sûr que quand tu vas déclarer fibrome, on va rebattre. Tu n'es pas sûr de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sûr que c'est le féticheur du quartier qui a la solution. Lui, il a beaucoup de canaries. Lui, il chante. Tu es sûr que si tu as là-bas, il va te guérir. Mais tu n'es pas sûr que si tu proclames, Jésus va enlever. Alléluia. Amen. Le péché, là, c'est par manque de foi qu'on est venu dans le péché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pourtant, Jésus t'a dit qu'il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Mais quand il y a une situation qui arrive, tu oublies ces versets-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, là, c'est dans les impressions. Voici, tu as la foi. Gloire à Jésus. Amen. La foi n'est pas là quand ton congélateur est rempli de nourriture d'or. La foi n'est pas là quand ton compte bancaire est rempli d'argent. La foi est là quand il y a le manque. C'est là qu'on voit si tu as la foi ou pas. La foi est là quand on dit que tu es malade, qu'on ne peut plus te guérir. C'est là qu'on voit si tu as la foi. Alléluia. C'est dans le vide, dans le néant, dans où il n'y a rien. C'est là qu'on voit si tu as la foi. C'est pas quand tout est là. Il y a la foi. Parce que quand tu dis Seigneur, je vais manger, tu sais que quand je l'ai rempli, ça va dire, viens manger.
Quand tu dis que j'allais me déplacer demain, c'est parce que tu sais que tu as transport. Est-ce que quand tu n'as pas de transport, tu peux dire avec foi, Seigneur, tu es le Dieu pourvoyeur, demain je partirai. Là, on sait que tu as la foi parce que les postes là sont vides. Mais tu déclares avec conviction. Et c'est lui, on appelle Yahweh Jireh. Ça y est, pourvoit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la foi, c'est quand tu es seul dans ton coin, dans ton confinement. Tu es seul et puis le voisin d'à côté te séduit, te drague. Il t'envoie les SMS. C'est là, on voit si tu as foi de rejeter ce qu'il est en train de dire. Parce que lui, il dit qu'il veut te marier. Et puis la grosse voiture, il est païen. Alléluia. Amen. C'est là, voici, tu as la foi. Tu n'as rien fait, tu ne manges pas. Mais il y a quelqu'un qui dit, allons, au lieu de donner 100 000, tu peux avoir moyen pour les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi, là, c'est quand tu es devant ton portable avec Internet. Et puis la vidéo impudique vient dans ton portable. Tu cliques en première seconde. Tu continues, tu continues. C'est là, on voit si tu as la foi. Quand tu es seul, devant les épreuves. C'est pas ta chair qui est faible, mais tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tu es sûr, on veut voir qui tu es chrétien. Est-ce que tu peux dire arrière de moi, Satan? Tu es paralysé. Pourquoi? Parce qu'il te manque la foi. Tu crois en ce mal que tu as dans ton corps. Tu crois fermement qu'un jour, tu ne pourras pas guérir. Mais tu te manques la foi, sœur. Alléluia. Amen. Comme un grain de sénévé, si vous avez cette foi, vous direz à cette montagne, jette-toi. Et elle se jettera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien le peuple d'Israël. Prends le nombre. 21, verset 5. Nombre 21, verset 5. Nombre chapitre 21, au verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, hein? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est au verset 5. C'est bon, l'homme. Voilà. Alléluia. Ouais. Les gens là, le peuple d'Israël, ils souffraient là-bas pendant 400 ans. Le Seigneur les a enlevés là-bas. Il est là-bas au désert. Pour leur montrer qu'il les aime, il a envoyé une nourriture. Il fait descendre du ciel. Ils n'ont pas fini de dire merci à l'Éternel. Il s'est plaint, dit que moi ils viennent. Alléluia. Il envoie une viande. Gloire à Jésus. Amen. Nombre 11. Il faut prendre verset 4 à 5. On est incrédule. Nombre 11, verset 4 à 5. Nombre chapitre 11, verset 4 à 5. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Ils ont vu les manger, pain, ils veulent viande maintenant. Ah,
Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ols. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bélium. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois les gens. C'est comme ça avec Christ. On n'a pas fini de dire merci à Jésus pour ce qu'il est en train de faire pour nous. On dit, hé, quand j'étais dans le monde là, combien Jésus, tu n'as pas fini de lui dire merci, hein, pour le vélo que tu as eu là. C'est Mercedes, tu veux. Tu n'as pas fini de lui dire merci pour le mot de tête qu'il a guéri là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te plains de dire que j'ai problème sur mon pied. Mais tu ne te rappelles pas de ce qui t'a guéri hier. Alléluia. Amen. C'est comme ça le diable là t'enseigne, il vient séduire, tu tombes. Regarde le peuple d'Israël. Ils voulaient manger autre chose. Ils sont fatigués de manger rognon. Ils veulent manger Gabi maintenant. Gabi. Ils n'ont pas fini de dire merci pour la manne. Beaucoup ne sont pas rentrés à Cana. Ils sont morts. Ils ont murmuré. Satan les a eus. Manque de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ils ont pris la manne comme une nourriture d'humiliation. Le pain que Jésus envoyait, pour eux, c'était une humiliation. C'est comme ça que tu es en train de regarder ta vie aujourd'hui. Hé, Seigneur. Hé, Seigneur. Ils étaient fatigués d'écouter les mêmes choses. C'est comme ça aujourd'hui que dès que tu es fatigué d'écouter les mêmes prédications, les mêmes pasteurs, tu es fatigué d'écouter Jérémie, l'apôtre Abraham. Tu es fatigué d'écouter Docteur Emmanuel. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Frère, on a été fatigué il y a longtemps. On a croisé la sainte doctrine. Avançons, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan nous a maquillés, nous a blagués. Jésus a eu compassion. Il nous a retirés. On est dans la vérité. Avançons. Ne regardons pas en arrière. Gloire à Jésus. Amen. Quand lui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il regarde ta foi. Il pèse ta foi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut avoir la foi pour vaincre, pour obtenir des grandes victoires dans les épreuves et dans la tentation. Frère, il aura épreuve. L'épreuve est une école. C'est une école. Le désert, là, nous forme. Ça nous brise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ton bébé de 6 ans vient te demander 150 000. Mais il va faire quoi avec ça? Il faut qu'il soit fils d'abord avant qu'on lui donne. Si tu n'es pas mature, Dieu ne peut pas te donner les grandes choses. On donne un héritage à un fils et non à un enfant. Rappelez-vous du fils prodige. Donne-moi l'argent, je vais partir. Donne-moi la... Mon héritage me donner. Ok, tiens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? La belle vie. Il est rentré dans tous les maquis de Côte d'Ivoire. Tous les maquis d'Israël, il est rentré là-bas. Il a pingoulé, pingoulé. Là, il est fini. Pourquoi? Il n'est pas encore mature, il n'est pas arrivé. Si tu n'as pas encore reçu encore, c'est parce que le Seigneur veut te nettoyer. Alléluia. Amen. Si l'argent doit te perdre actuellement, Dieu ne te donnera pas l'argent. Alléluia. Amen. Si à cause de Marie, tu vas perdre ton salut, il ne te donnera pas un mari maintenant. Parce qu'il y a une soumission dans toi. Il y a femme Kadhafi dans toi. Il ne peut pas te donner Marie à l'air là. Il faut qu'il te brise.
Alléluia. Amen. Que tu sois une femme douce, douce. Pas qu'on parle, est-ce que tu parles 150 000? Non. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il a appelé Gédéon, vaillant héros. Oh, Gédéon est fleque, fleque. Il dit, va libérer ta famille de Madian. Va libérer Israël de Madian. C'est comme ça que Jésus t'envoie. Tu as reçu la sainte doctrine, tu seras le libérateur de ta famille. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Si tu ne crois pas en ça, Satan va t'avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Gédéon, va. Gédéon dit, ma famille est pauvre. Seigneur, je suis le dernier quoi. C'est comme ça qu'il a pris le fait. Oh, Jésus t'a choisi. Il n'y a pas passé concours pour que Jésus te choisisse. Il dit, c'est toi. Je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. C'est toi. Je n'ai pas tes diplômes. Ni le fait que tu sois allé à l'école ou pas, je m'en fous de ça. Moi, Jésus, là, j'ai choisi qui il veut. Il a pris David derrière les moutons. Alléluia. Et puis il dit, c'est toi qui seras roi. Gloire à Jésus. Amen. Jésus regarde l'état de ton cœur, la disposition de ton cœur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas ton intelligence, ni ta sagesse, ni ton argent, ni tes diplômes, ni ta beauté, ni ta longueur, ni ta grosseur. Jésus ne regarde pas ça. C'est l'état de ton cœur qui regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puis on va prendre Timothée. 2 Timothée 1, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 6 à 7. Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Alléluia. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Regarde, le Seigneur dit, il faut ranimer le don qu'il t'a donné. Regarde, il t'a donné des dons, des talents. Alléluia. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Parce que quand il t'appelle, il te qualifie. Nous tous, là, nous a appelés. Mais quand il nous a appelés, il ne nous laisse pas bredouille. Il nous donne. Toi, il t'a donné. Ne crois pas que tu n'as rien. Tu as un potentiel. Tu as un talent. Tu as un don. Alléluia. Amen. Et c'est avec ça que Jésus dit, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a mis un don en toi. Tant que tu n'es pas papa, tu ne verras pas ce don à se manifester. Tu dois partir. Tu dois obéir. Tu dois aller. Tu dois te lever. Ça, c'est la foi. Si tu ne te lèves pas, c'est parce qu'il te manque de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit à Timothée, ranime le don qui est en toi. Donc tu dois le ranimer, frères et sœurs. C'est l'évangélisation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Galates 4, verset 1 à 6. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Alléluia. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Alléluia. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois fils et fille pour recevoir l'héritage de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Frère, prenons 1 Corinthiens 1, verset 26 à 28. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 28. 1 Corinthiens 1,
versets 26 à 28. Je lis au nom de Jésus. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, nous tous là, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Dieu a choisi les choses faibles, du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Amen. Il a choisi les choses méprisables, folles, pour renverser ceux qui sont sages. Alléluia. Amen. Il t'a choisi, toi qui es en train de réfléchir, tu es en train de raisonner. Tu es en train de dire, est-ce que Dieu me voit même? Est-ce que Dieu m'a localisé? Il t'a localisé il y a longtemps. C'est toi qui te poses la question. Sinon, Dieu t'a choisi il y a longtemps. Alléluia. Amen. Il t'a choisi pour confondre les sages. Il t'a choisi pour confondre ceux qui se disent, ils sont intelligents. Il t'a choisi. Tu dois croire en ça. Tu dois avoir foi en ça. Tu dois t'enraciner en ça. Tu dois t'asseoir sur la promesse de Dieu pour avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De quelle faiblesse tu parles? De quelle faiblesse? Il n'y a pas de faiblesse. Mais c'est parce que tu te négliges. C'est parce que tu n'as pas foi en les capacités que le Seigneur t'a données. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il ne faut pas avoir l'occasion de pécher. Puis tu as dit la chair est faible. La chair n'est pas faible. Il te manque la foi. Tu ne crois pas. 2 Corinthiens 12, 8 à 10. 2 Corinthiens 12, 8 à 10. 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Hey. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, c'est glorifié qu'il soit faible. Faible dans la détresse, faible dans les calamités, faible quand il est galère, faible quand il n'a pas l'argent. Parce que plus il est faible, Christ l'utilise pour faire sa gloire. Plus tu es faible, la puissance de Dieu entre en toi afin de faire des exploits avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Abraham, je te ferai père d'une multitude de nations. Abraham réfléchit quand il n'a pas femme. Mais comment Dieu peut faire ça? Il envoie Sarah. Dans la jeunesse, il n'a pas pu faire enfant. Abraham avait pensé qu'il avait fait enfant avec ses forces, avec sa sagesse, avec son intelligence. Non. C'est où Abraham était limité là. Où rien ne fonctionne maintenant. Tout est mort. Puis Jésus se glorifie. Alléluia. Amen. C'est lui qui a créé le corps. Non? C'est à 100 ans qu'ils ont fait enfant. À 100 ans, humainement, on ne peut plus faire un enfant. À 90 ans, les tombes sont bousillées. Mais Jésus se glorifie dans nos faiblesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas l'argent qui fortifie, oh. Mais, alléluia. Ce n'est pas voiture qui fortifie. C'est Jésus qui fortifie. Tu pourras tout quand tu vas mettre tes regards sur Jésus.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tu prononces le nom de Jésus, tu prononces avec conviction. Parce que tu prononces avec foi. Parce qu'il faut la foi dans ce que tu dis. C'est la foi là qui va renverser ce que tu es en train de dire. Les œuvres qui sont devant toi, les œuvres des ténèbres. Si tu ne prononces pas avec foi, ça n'a pas de puissance. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne peux pas dire le nom de Jésus sans connaître Jésus. Tu ne peux pas dire le nom de Jésus sans connaître que sa parole est autorité et puissance. Tu ne peux pas dire le nom de Jésus sans avoir cette foi qui est une foi assurante. Alléluia. Amen. Le point quand il y a Jésus. Il montait dans le bac à Jésus. On dit le nom de Jésus là en vain. Mais pendant ce temps, en train de faire palabère et bacamane, on vient de dire Jésus en montant. Pendant ce temps, la colère a pris le dessus. Mais on vient d'insulter quelqu'un dans le bus, dans le bac à la maison. On en parle avec les gens. Mais on prononce le nom de Jésus. Est-ce que tu connais le nom de Jésus? Son nom là, c'est sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus sans que tu aies la foi. On va terminer ça. Marc 9, verset 38. Marc 9, verset 38. Et puis Acte 19, verset 15. Marc 9, verset 38. 38. Marc 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Tu continues? Mm-hmm. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car une personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Alléluia. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acte 19, verset 15 à 16. Acte chapitre 19, à partir du verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Il jouait le nom de Jésus. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous d'eux, et les maltraita. Alléluia. De telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y a un premier groupe dans Marc 9, verset 38, qui chasse les démons au nom de Jésus. Mais eux, ils ne marchent pas avec Jésus. Et puis les disciples, ils disent non, ne l'arrêtez pas. S'ils chassent les démons en mon nom, c'est qu'ils font mon travail. Alléluia. Amen. C'est parce qu'ils me connaissent qu'ils le font. Il ne faut pas les arrêter, laisse-le. Alléluia. Amen. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Alléluia. Amen. Mais là, il y a un autre groupe dans Acte 15. Alléluia. Amen. Acte 19, verset 15 à 16. Et ils ont vu Paul chasser des démons. Pierre chasser des démons. Alléluia. Amen. Il dit, il veut faire même chose. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils savent de qui ils disent. Donc, ils arrivent devant les démons et puis tombent comme ça. Au nom du Dieu que Pierre prie, nous les chassons. Regarde bien là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier groupe à chasser au nom de Jésus. Nous chassons ces démons par la puissance de Jésus. Le deuxième groupe dit, ok, on fait un peu comme eux. Les pierres, ok. Au nom du Dieu de Pierre et Paul, nous vous chassons. Le démon dit, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. C'est quel nom vous prononcez? Moi, je ne vous connais pas. Je connais Pierre, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Les démons les ont maltraités, chicotés, déshabillés, blessés, jetés, ils ont couru. Nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu ne peux pas t'arrêter devant Satan si tu n'as pas Jésus.
Il va te frapper, il va t'humilier. Il va t'exposer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas chasser un démon si toi tu ne crois pas en ce Jésus-là. Si tu n'as pas une vie de sainteté. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc on est dans la sainte doctrine. Si tu dois la délivrance, tu dis je veux participer. Attention. Est-ce que tu crois en ce Jésus? Tu crois en sa puissance? Tu crois que Jésus libère? Tu crois que Jésus délivre? Tu crois que Jésus chasse les démons? Parce que pour pas aller prier, tu as dit au nom de Dieu que apporte Abraham, prie, je te chasse. Ça te va te gifler. Parce que ça dit, tu ne crois pas. Mais en réalité, tu es un idolâtre. Tu crois à l'apôtre Abraham et non à Jésus. Au nom de Dieu que Jérémie élève. Je te chasse le démon. C'est aucun nom. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par ta foi. En qui? Jésus. Que tu pourras faire des exploits. C'est par ces promesses qui sont oui et amen. Que tu auras accepté, non pas dans ta situation de richesse, mais dans la situation dans laquelle tu vis. C'est de croire que ce Jésus est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est des paroles fortes, de foi, de puissance. Et tu dis dans ton cœur, dans ton âme, que Seigneur, cette maladie n'est pas pour moi. Parce que moi, mon corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi cette maladie doit quitter de mon corps. Quand tu parles avec foi, ce n'est pas parce que tu as un hôpital. Ce n'est pas parce que tu as une carte CMU. Ce n'est pas parce que tu as une ordonnance que tu peux payer avec de l'argent. Mais c'est parce que tu as ce Jésus-là. Et tu crois que c'est le médecin par excellence. Amen. Et tu seras guéri. Amen. Alléluia. Amen. Ton argent ne pourra pas te guérir. Alléluia. Amen. Mais c'est ta foi et la confiance que tu places dans la parole du Seigneur qui va te libérer, frères et sœurs. Satan connaît la parole. Quand il vient, il souffle une parole de Jésus, mais qui renverse. Parole contre parole. Alléluia. Amen. C'est ça, je vais te laisser, bien-aimé. Je prie que ta foi augmente. Amen. Que ta foi soit inébranlable. Amen. Que les promesses de Jésus qu'il t'a dites, que tu aies confiance en ces promesses-là. Amen. Afin que, bien-aimé, tu puisses les proclamer avec vie et victoire. Tu verras le royaume des cieux être ébranlé. Et tu verras la gloire dans ta vie. Amen. Si tu crois seulement de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été bien nourri. Alors, je suis ravi. Demain, il y a les informations. Passez-vous, passez-vous. Les informations, demain, nous avons évangélisation. 1. Autocuit, pharmacie, Azur. Voilà. Beaucoup le connaissent pas. Oh, ouais, c'est bon. Azur. Ceux qui sont à la Palmeraie, ils prennent les barres à Tifon. Pont Ferraille. Ok. Voilà, prennent les barres à Tifon. Palmeraie, Pont Ferraille. C'est ça, Agman. C'est ça, Agman. Agman, tu prends. Et on va pas en direction aux autres. C'est ça. Voilà. D'abord, ceux qui sont dans la zone de Pétro-Ivoire, ou des châteaux, un bus 90, ils descendent au 22e, ils arrêtent en Azur. Amélie Azur. Et si tu n'es pas en Warren direct. Voilà, il y a Warren direct en Azur. Je suis en Azur. Alléluia. Donc demain, c'est le à 17h. Pharmacie Azur, bien aimé. C'est dans l'effort de venir. Mmh. Parce qu'on a dit, ah non, l'homme de Dieu n'est pas encore venu à les appareils là. Donc ça n'a pas encore commencé. Ça a commencé. Mmh, mais c'est fou. Du moment où tu es sur le terrain là, une fois qu'il est 17h là. Ça a commencé, mon gars. Ça a commencé. Alléluia. Ok, faisons l'effort. Quand nous sommes nombreux là, la chaleur, le feu est grand. Mmh. Chacun, celui-là, tu ne peux même pas parler quand il voit sa soeur ou son frère en train de parler. Il veut imiter son frère. Et ensemble, on annonce la parole.
Et donc, donnons nous. Aujourd'hui, il a donné l'enseignement sur la foi. Même si tu sais qu'il n'a rien, tu dis par la foi, aujourd'hui là. Moi, demain, je vais monter. Il est parti. Pierre est venu. Seigneur va te donner. Alléluia. Et demain, nous tous présents à Jésus. Nos frères d'Abobo, là, Dokula, avant la zone, tout est bas et mati. Il paraît qu'il y a vase d'honneur là-bas, mais ils sont tombés dans vase de mati. Donc, allons, on va les retirer du vase de mati pour envoyer dans la sainte doctrine. Alléluia. Samedi. Samedi. Il y a évangélisation éclatée. Toutes les églises. Oui, samedi. Toutes les églises, Jésus revient. À Kumasi. Voilà. Nous nous retrouvons à Kumasi. Donc, nous, on n'aura pas évangélisation à André. Non. Voilà. Toutes les églises. Tout le monde. Kumasi Soweto. Et à Kumasi. Non, c'est pas loin. Quand tu arrives à Kumasi seulement, tu commences l'évangélisation, tu arrives à Soweto. Dès que tu descends à Kumasi, tu commences à dire le roi. Soweto, on va te déposer là. Répondez-vous, répondez-vous. Il m'a dit, tes frères sont de l'autre côté là-bas. Là. C'est vrai. Donc, ça me dit, hein. Ça me dit tout le monde là-bas. Tout le monde à Kumasi. Il y a tous des gens. Et le jeudi aussi à la chaudière. C'est ça. Et on a besoin de tout le monde. Ah. C'est le temps de dire par la foi. Avec le nom de Jésus là, tu peux chasser Paris. Ils vont venir, tu vas commencer à chasser Paris. Là, tu es à la maison, là, ton frère dit la parole, tu peux même prier, tu as peine de prier. Dimanche même, les enfants sont venus. Tonton, ils ne sont pas bien, il y a mal au ventre. Quand tu dis pas voir les tatas, ils ont peur de partir. Quand les tatas, ils ont dit pas voir. Donc, venons, on va éduquer les dons là-bas. Alléluia. Paris va quitter la famille. Au nom de Jésus. Ils sont nombreux. Mais sans oublier, il m'a dit, on a besoin de vous. Alléluia. Venons tous. Parce que souvent, il y arrive. Moi, il prend toujours les hommes, papa Jean. Un mardi, il est venu là. Nous, on a parlé jusqu'à un, on a oublié même. Quand lui, il a pris le micro là, ce qu'on devrait dire là, et ça lui l'a annoncé, ça criait là-bas. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça veut dire que toi, quand tu viens là, ta parole, que le Seigneur va utiliser pour annoncer une parole. Venons, venons parler, venons. Tu vois, nos soeurs là, souvent nous, on dit c'est fini là. Les soeurs là, qu'elles prennent comme ça là. Les gens là, dit non, la soeur là, c'est vrai ce qu'elle dit. Ils viennent, ils prennent le numéro. Venons, les soeurs, pardonnez. Venons, la vie de mon mardi. Donc, là, moi, c'est ce qui se passe là-bas. Pardonnez. Venons sur nous. Vous allez voir. C'est là où tu es puissamment. Viens, il a réactivé tout. Ceux qui ont dormi, là, après, tu as vu. Venez, tu allez étudier ça. On vient de nous assister demain. Et chacun de nous va recommander son départ dans la même chose au nom de Jésus. Et il me lève la voix. Père, je veux te bénir. Père, je veux te dire merci. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu vivant. Ta gloire te redonne. Merci, Jésus-Christ. Merci, nous avons fini, nous avons la paix à la maison. Merci pour ta grâce. Pour tes serviteurs de tes servantes. Merci pour chacun que tu as béni. Le message que nous avons dit ce soir, Seigneur Jésus, que cela soit scellé dans nos cœurs. Et qu'en plus, Seigneur, qu'on attendait ce soir, au Seigneur, au Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus. Nous sommes les enseignants de Jésus. Comme le Seigneur a dit qu'il allait faire une multitude de nations, va se multiplier dans le secteur de Dieu, Israël va plier pour la paix. La terre aussi, nous aussi les recevoir. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, faisons merci pour ce moment passé dans ta présence. Maintenant que nous avons fini, nous demandons de raccompagner le pas de tout un chacun à son domicile. Bénis encore ce moment et accompagne chacun à son domicile. Et que cette nuit soit douce pour tout un chacun de nous. Bénis encore la vie de tout le monde ici présent. Nous demandons encore de tendre ta main sur la vie de tout un chacun et de leur accompagner afin que la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Amen.